Allez, on se reprend, hein? Alors, où en étions-nous déjà? Ah oui, votre identité. Évidemment, pourquoi me donner une information que je connais déjà? Futile, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qui n'aime vraiment pas perdre son temps? Oh, n'ayez crainte. Il vous estime déjà beaucoup. Le commandant sait reconnaître la valeur de chacun. D'ailleurs, je crois savoir qu'il vous trouve très à son goût. Fox? Oui, Nora? Éteins-moi ça. Avant, nous, les femmes, étions libres. Enfin, plus ou moins. On était plus libres qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr et c'est pas compliqué. Mais les hommes nous faisaient tout de même payer cher cette liberté. L'insoumission, c'est le thème principal du film Thelma et Louise. L'histoire, c'est deux amies qui décident de partir en week-end. L'une est plutôt naïve et malheureuse, en ménage avec un type affreux, c'est Thelma. Et l'autre, Louise, est du genre badass. Elle fréquente un homme, elle a pas très envie de se marier avec lui. Et très vite, au début du film, ça tourne très mal puisqu'un homme essaye de violer Thelma sur un parking. Louise le voit et elle le tue. Elle convainc Thelma de ne pas appeler la police parce que de toute façon personne ne va les croire, parce que Thelma a dansé avec son agresseur et que la police et la justice sont sexistes. Alors leur road trip se transforme en cavale. À l'époque, beaucoup de critiques masculins ont crié à la misandrie et à l'apologie de la violence. Tout à coup, les mêmes qui encensaient Scorsese, Tarantino ou Oliver Stone ont trouvé insupportable un film, ce sont les femmes qui sont violentes. Ce qui est subversif déjà dans Thelma et Louise, c'est que si Louise avait été un homme, ben ça aurait gêné personne qu'elle tue le gars qui s'apprêtait à violer sa copine. C'est l'éternel double standard. La violence est une prérogative masculine. En tout cas, c'est cet acte ultime de domination des hommes sur les femmes, le viol, qui fait basculer Thelma et Louise. Tout au long du film, elles vont croiser de sacrés connards, je sais pas comment le dire autrement, hein, des types misogynes ou profiteurs, et tout au long du film, on voit Thelma et Louise évoluer pour reprendre le contrôle de leur vie. En s'affranchissant, elles découvrent à la fois leur potentiel sexuel, leur force physique, leur talent à la gâchette par exemple. Seules, libérées de la performance de genre, elles sont de moins en moins féminines dans leur manière de s'habiller, elles se maquillent plus, elles adoptent des attitudes et puis des postures viriles. En fait, loin des hommes, en désobéissant à la loi et aux règles de la société, elles sont redevenues elles-mêmes. Une fois qu'on s'est libéré, on ne peut plus revenir en arrière. Thelma dit même dans une scène qu'elle ne le supporterait pas. En fait, ça devient la liberté ou la mort. Elle dit aussi à Louise cette phrase. I feel awake. Good. Wide awake. I don't remember ever feeling this awake. You know what I mean? Everything looks different. You feel like that too? Like you got something to look forward to? Mais elles savent toutes les deux que la police va bientôt les rattraper, qu'elles seront punies. Et la fin de Thelma et Louise est tragique, puisqu'elles décident d'en finir avec ce système patriarcal et traumatisant en se suicidant. Elles foncent dans un canyon, main dans la main, souriantes. Un geste libérateur pour elles qui semble dire « nous ne serons plus des victimes de l'oppression masculine ». En fait, Thelma et Louise, elles auront doublement transgressé la justice sexiste des hommes, d'abord en se faisant justice elles-mêmes, et ensuite en choisissant elles-mêmes leur fin. Une fin tragique donc, comme si ces femmes libres ne pouvaient pas exister dans notre monde. Ce bulletin sera collector, Nora. jamais diffusé, mais très recherché. Ah sympa, merci, c'est super réconfortant. Les FDP vont bien finir par se calmer. D'autres Anonymous sans sommeil vont s'organiser. Et là, le facteur aura de nouveaux colis. Attends. Tu peux zoomer dans l'image, là ? Oui. Très bien. Nous vous attendons. Il est là. Il veut vous parler. Quelque chose à nous dire ? C'est un événement unique que nous venons de vivre, chers téléspectateurs. Les forces de défense de la patrie ont fait preuve en direct d'un courage sans faille pour arracher les aveux capitaux à cette traîtresse anonyme. Nous sommes déjà impatients de vous retransmettre l'interpellation de cette propagandiste d'opérette. Patrie, patriarcat, procréation.